TAC aujourd'hui se spécialise de plus en plus dans le renforcement des structures bois. La conception est d'avoir une vue d'ensemble. On n'apporte pas qu'une technique, on n'apporte pas qu'une mise en œuvre, on apporte un vrai service qui va dans le diagnostic professionnel avec un bureau d'études internes, trois possibilités. La première traditionnelle, parce que le bâtiment est vraiment abîmé, et il faut remplacer par des structures en bois neuf, et ce qui n'est pas évident. La deuxième possibilité, c'est celle que je travaille dans ma société depuis plusieurs années et que j'ai développée, c'est qu'on va être capable de garder ces structures bois porteuses en verticale ou en horizontale, y intégrer dans ces structures bois des éléments métalliques qui sont scellés avec des résines haute performance, résines époxydiques, qui permettront dans le complexe, l'ensemble, bois, résine, structure métallique, d'arriver au résultat escompté. Le service global, c'est exactement le mot juste qui correspond à notre société. C'est-à-dire que c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, de A à Z, jusqu'à. Effectivement, j'ai parlé d'études, j'ai parlé de savoir-faire et de tradition sur le chantier, mais c'est aussi la fabrication de tous ces éléments métalliques au sein de l'entreprise. Les compétences humaines, c'est une évidence. C'est la priorité pour une entreprise. Effectivement, on a la technique, on a un savoir-faire, mais ce sont les gens qui vivent dans l'entreprise et qui apportent effectivement peut-être une meilleure écoute vis-à-vis du client final. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Mon bâtiment va servir à quoi? Est-ce que ça va être un musée? Est-ce que ça va être des bureaux? Est-ce que ça va être des archives? Effectivement, on a besoin d'un relationnel très personnalisé.